vénérable du dimanche 1er octobre au dimanche 8 octobre, à l'étang de la Chaume, en compagnie de Serge et de Joël. Je vais poser un repère, ben, ça y est, le repère est reposé. J'ai fait les boules d'amorce avec du foie et maïs. Et puis ben là, je rentre dans l'eau et je vais charger la louche Cobra sur le repère. Voici le poste idéal après 20 heures de pluie. Donc ça baille. A l'origine c'était une pluie, maintenant c'est une île. Donc hors de question de sortir en chaussettes. Même le chien ne sort pas. Et pour arriver au hotpot, ça éclate beaucoup d'eau. Donc le hotpot au début il était bien au sec. J'étais obligé de rehausser les pieds. Je suis en train de me demander s'il va pouvoir falloir que je le change de place parce que l'île va bientôt être sous la flotte. Ça monte d'heure en heure. Donc voilà, ça a l'air assez cheleux, quoi. C'est le DR2, le retour. Avec un beau coucher de soleil, ça va pas être donc, mal. Voici le poste idéal pour un mec qui aime bien savoir nager. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'intérieur. J'ai mis la planche de surf pour décoller. Donc là, on va démonter. On va tout reculer sur la rive parce que ça devient ingérable. On est obligé de dormir en botte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, les bouillettes elles baignent. Ça va que c'est en saut, sinon c'est l'horreur. Et les plus jolies des bateaux. Ça c'est pour les crocodiles. Nickel. C'est plus le DR là, c'est l'inondation d'un fou. L'installation pour le repas, heureusement que la Kitoun a résisté à la tempête et à la pluie. J'espère pour moi ne pas être obligé de déménager, mais ça devient juste hein. Et il prévoit encore de la pluie dans la journée, donc j'espère que tout va bien se passer, mais ça commence à devenir difficile.
on le voit. Voilà pour la première canne. Maintenant je vais l'installer sur le rod-pod. Je vais la tête mal. Là je suis à 2-3 mètres à gauche du repère. La bannière. Donc voilà, j'ai amorcé le plus près possible du repère. C'est très facile car là c'était pas prévu. Mais bon, c'est ça la pêche.